début mythologique de l'Empire Inca. Alors là, on prend comme référence Mamaoklo. Et lui, d'après les légendes, serait venu du lac Titicaca. C'est un Inca légendaire qui serait venu, qui serait apparu, qui aurait surgi des lacs, du lac Titicaca. D'après les légendes, il était porteur d'un bâton d'or et il se serait rendu dans un endroit où, d'après les légendes, l'endroit où son bâton se plantait dans la terre, c'est l'endroit où il pourrait fonder sa ville et son empire. Et donc, la légende raconte qu'il est parti avec sa sœur et puis une partie de son peuple vers ce qui allait devenir plus tard Cusco. Et arrivé au Cusco, au bout de quelques mois ou quelques années, on ne sait pas exactement parce qu'il n'y a pas de chronologie précise, son bâton d'or s'est enfoncé, il a fondé la ville de Cusco à cet endroit-là. On peut dire que les Incas, ils ont eu le génie politique parce que à l'apogée de l'Empire Inca, le territoire allait du sud de la Colombie jusqu'au centre du Chili, ce qui est déjà énorme, même dans les critères actuels de circulation. Donc, ils ont réussi tout de même à tenir ce territoire sans recours à l'écriture telle que nous l'entendons, sans avoir des chevaux, par exemple, pour se déplacer, sans pouvoir disposer de chars, puisqu'ils ne connaissaient pas la roue. Et donc, vous voyez que tout cela a été fait avec des fantassins, avec des gens qui allaient à pied, et vous voyez les distances. Les conquêtes ne se font pas toujours et le moins souvent possible, pourrais-je dire, par des faits de combat et d'affrontements guerriers. Il y a une bonne raison à cela, c'est que pour les Incas, ce qui compte, c'est non seulement de s'approprier des territoires, mais surtout de s'approprier des forces de travail. Et ces forces de travail, ce sont évidemment les occupants qui se soumettent et qui acceptent de s'intégrer de leur plein gré à l'Empire. Les Incas vont avoir une stratégie très habile, diplomatique, puisqu'ils vont sans arrêt proposer à leurs voisins d'intégrer leur empire, en acceptant par exemple que les princes ou les chefs régionaux épousent des femmes de la noblesse inca, en leur offrant des quantités de biens très valorisés, par exemple énormément de tissus, des céréales, des pommes de terre, de la coca, bien entendu. Et puis, ils leur offrent aussi une sorte de super protection, parce que lorsqu'on accepte l'hégémonie inca, eh bien, on devient les protégés des Incas. L'architecture en pierre était déjà présente chez les Wari, donc il y a une tradition de grands bâtiments en pierre. Mais ils y ont ajouté leur propre pinceau, qui sont ces murs à bossage. L'impossibilité, par exemple, d'introduire une lame de rasoir entre deux pierres, parce que c'était des joints vifs parfaitement adaptés les uns sur les autres. Le seul élément qui semble moins conforme à la beauté de ces murs était la toiture qui était en paille parce que ils n'avaient pas le moyen de faire des voûtes pour
tenir l'ensemble. Les blocs étaient extraits dans des carrières. Très souvent, ils étaient traînés ou roulés sur des traîneaux de manière à les apporter sur le lieu de construction. Et ensuite, ils étaient mis en place en utilisant tout simplement des terre-pleins en terre, qui sont des plans inclinés sur lesquels on fait avancer le bloc en le roulant ou en le traînant. Et il suffit pour ça d'avoir beaucoup de manœuvre, mais c'est parfaitement réalisable. Certaines terrasses sont utilisées, peut-être une partie pour ravitailler le site, mais certainement l'autre pour du maïs cérémoniel, pour fabriquer de la chicha, et cette chicha après redistribuée lors des fêtes pour montrer la puissance de l'Inca. Il n'y a pas d'autre moyen dans ces régions où il pleut énormément et où les versants sont très pentus. Si on ne construit pas de terrasses de culture, tous les bons sols s'en vont. Et descendent dans le fond de la vallée. Donc c'est tout un système de colonisation du paysage aussi, agricole, qui permet aux Incas d'en tirer parti. Alors dans le cas de Machu Picchu, pendant très longtemps, on a pensé qu'il s'agissait d'un bastion d'altitude destiné à protéger l'accès de la vallée Urubamba pour les peuples qui habitaient dans la partie de l'Amazonie, qui étaient des peuples rebelles contre l'Inca, et empêcher la progression, la remontée de ces peuples vers l'île de Cusco. On s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est pas du tout le cas, parce qu'on sait que l'Inca contrôlait les populations. L'autre problème qui se pose dans le cas de Machu Picchu, c'est qu'on a pensé qu'il s'agissait d'une citadelle. S'il s'agit d'une citadelle, on aurait donc des garnisons pour protéger. On n'en a pas trouvé. Mais quand on calcule la superficie de Machu Picchu et qu'on calcule le nombre de personnes qui pouvaient vivre, on aboutit à 300, 400 personnes, 500 maximum. Donc on est loin de l'imagination qui était de guise il y a quelques années en pensant qu'on avait 3000, 4000 personnes. Aujourd'hui, on s'aperçoit finalement, on revient sur les notions qu'on avait, on s'aperçoit que ces sites d'altitude, ce sont des endroits vraiment sacrés, qui avait un rôle rituel, lié vraisemblablement à l'adoration des montagnes, lié à des cultes spécifiques de la terre, et ça correspond très bien à la définition qu'on en a aujourd'hui d'un palais comme lieu de villégiature. C'est-à-dire, qui vivait là? Certainement vivait là l'Inca quand il venait de temps en temps pour certaines fêtes importantes, pour présider aux cérémonies. On avait aussi des prêtres, ça c'est sûr, qui s'occupaient de tout ce qui est l'organisation des cérémonies. Et puis on avait des personnes, des serviteurs, ce qu'on appelle les yanas, qui sont des gens qui sont aux serviteurs des Incas et qui vont travailler pour eux. Donc ça fait très très peu de personnes finalement. Et ça explique très bien le type d'architecture, certes locale, de la campagne, mais qui quand même obéit à des critères de beauté, des critères architecturaux très particuliers qui sont liés à l'élite dirigeante. Donc on sait que l'élite dirigeante est là. Les Incas ne s'implantent pas n'importe où. Les Incas s'implantent dans des endroits où ils peuvent être en contact avec leur divinité, où ils vont pouvoir entrer en communication avec les ancêtres. Et comme ces ancêtres résident dans la plupart du temps au sommet des montagnes, c'est le cas dans la cordillère de Vilcabamba,
où vous avez toutes les montagnes qui dominent, par exemple, le site de Machu Picchu. Vous avez plein de montagnes enneigées qui sont des massifs, des glaciers, qui sont le réceptacle des ancêtres. Et en même temps, la projection de certaines constellations qui sont là. Donc, ils sont protégés par ces constellations, en même temps, ils sont protégés par les montagnes. Et tous les édifices à Machu Picchu sont orientés vers certains pics, vers certaines montagnes. Vous avez la place centrale qui est le lieu de rencontre. Alors à Machu Picchu, elle est très très visible, cette place centrale. Elle représente la place centrale de Cusco, d'où partaient les quatre chemins, les quatre routes. Mais c'est en même temps dans l'Ocapata que les Incas venaient pour adorer lors des grandes fêtes, pour adorer l'Inca, pour l'écouter. Puis vous aviez un autre monument important qui est ce qu'on appelle l'Intihuatana. Alors il y a bien d'autres monuments, mais c'est cette sorte de petite miniature de la montagne qui est en face, qu'on appelle Huanu Picchu, qui est une sorte de niom. Et c'est exactement la copie conforme qui repose sur une base. Et on pense que cet édifice servait lors de certaines cérémonies de cadran solaire. Autre lieu sacré, le Temple du Soleil, est le seul édifice du site avec une architecture arrondie. Cette tour servait peut-être à l'étude des astres. Sous l'édifice, probablement, un tombeau royal. Une grotte naturelle contient un autel en forme d'escalier et des niches sacrées soigneusement taillées. Le peuple inca fut certainement le plus doué sur Terre dans le domaine de l'architecture lithique. L'empereur lui-même était, d'un point de vue rituel, le représentant du soleil, Inti. Et il s'attribuait ce rôle. Et en même temps, tous les objets dorés qui étaient l'émanation du soleil étaient aussi l'émanation de l'Inca. Et il était allié avec sa sœur épouse, qui était, elle, l'émanation de la lune. Dans chaque province, il y avait un gouverneur inca, Tococrac, qui dirigeait l'intégralité des provinces, donc les quatre suyus. Et dans chaque suyu et dans chaque cité importante, on avait aussi un administrateur. Un délégué de l'Inca qui, à son tour, commandait toute une série de seigneurs locaux qui étaient subdivisés administrativement en des sortes de districts. Cela formait comme un quadrillage où tout le monde avait sa place, puisque le tribut était obligatoire, il n'était pas question de ne pas le payer, avec des inspecteurs qui allaient tous les ans pour récolter le tribut. Un peu comme nos contrôleurs des impôts, des personnes qui avaient des cordelettes à nœuds, qu'on appelle des quipous. Chaque cordelette à nœuds obéissait à une organisation décimale, un peu comme les bouliers chinois, ça fonctionnait un petit peu sur le même principe. Il y avait une combinaison de nœuds, de torsion, des fibres et de couleurs qui faisait qu'on pouvait avoir des informations, en tout cas, quantitatives certaines. C'était fondé sur le système d'unités de dixième, centième, millième, etc. Alors ça donnait des indications sur la population répartie par exemple dans un territoire ou dans une partie du territoire donné. On avait d'autres types d'informations sur la quantité de produits qui pouvaient être stockés dans les dépôts étatiques qu'on appelait les colcas et tout un tas d'autres informations qui était lié aux cordelettes à nœuds. Et donc, le tribut était donné en travail, surtout. C'était soit des quantités, c'est des sacs de coca, mais surtout en travail. Et donc, c'était des tributaires qui étaient envoyés à Cusco pour s'occuper des grands travaux, pour les armées, pour la route, et qui contribuaient de ce fait à l'Empire et au maintien de l'État. Donc l'organisation inca était parfaite à ce niveau administratif.
On sait que les Incas avaient aussi un certain nombre de lieux de villégiature, des palais ou des domaines royaux. On va bien sûr trouver la vallée sacrée avec Pissac, qui lui aussi visiblement était un palais. Et c'est un lieu cérémoniel partagé en plusieurs parties, avec une citadelle dans la partie nord, la partie sacrée avec le temple du soleil, là où il y a l'Intihuatana, c'est-à-dire la pierre dressée, l'endroit où était attaché le soleil, dans la partie médiane, et tout autour des lieux de réunion qu'on appelle des Cayancas, qui sont ces grands, grands édifices qui servaient à réunir les populations lorsque l'Inca venait ou lorsque les caciques devaient réaliser une fête. Et puis après, la caractéristique de Pissac, c'est que vous avez aussi toutes les terrasses qui sont souvent des terrasses cérémonielles. Ces terrasses sont souvent des terrasses liées à la production de maïs, et ce maïs était réservé à l'élaboration de chicha qui servait à faire des libations lors des fêtes importantes. Et cette libation de chicha, la chicha était donnée par l'Inca pour montrer son pouvoir. Donc toutes les terrasses ne servaient pas à planter des produits comme la pomme de terre, etc. Et toutes ces terrasses ne servaient pas non plus à nourrir les villes. Les terres qui étaient cultivées étaient en principe divisées en trois parties. Une partie qui était pour l'Inca ou pour ceux qui le représentaient, donc pour le pouvoir politique. Une partie destinée au culte et une partie destinée à la communauté. Et donc on a toute une série de microclimats qui vont depuis 5000 mètres d'altitude jusqu'aux terres chaudes et tropicales. Bon, c'est intéressant parce que ça détermine donc trois grandes régions géographiques avec des productions différentes et des territoires différents et des écozones différentes. Et depuis les époques les plus anciennes, bien avant les Incas, les populations qui vivaient là ont mis à profit ces écozones. Et avec le système des colonies, avec le système d'implantation de colons dans des régions différentes, ils pouvaient disposer de tous les biens possibles et qui arrivait également sous forme de tribus. Alors qu'est-ce qu'on cultive dans l'Altiplano ? Dans l'Altiplano, on trouve des pommes de terre, il y a quelques 400 variétés de pommes de terre différentes. Qui est un produit qui permet de nourrir des grandes quantités de gens, les gens du peuple. Il y a bien sûr le maïs, qui apparaît dans les vallées chaudes, par exemple Yucay, Pissac, dans les vallées abritées. Le maïs qui était très important parce que c'est avec le maïs qu'on faisait la fameuse bière de maïs qui consistait, c'était des libations avec le soleil, avec la l'Inca. Et il y avait également la coca. Je ne la mets pas dans les aliments, mais tout de même, parce que la coca des régions chaudes était très recherchée comme plante divinatoire, comme plante médicinale, et comme plante permettant aussi de soulager toute une série de fatigues et de maux. À 2 km de Cusco, cet immense ensemble de ruines militaires qui abritait 5000 guerriers est le plus important des environs. Sacsayhuaman signifie « faucon satisfait » en quechua. Le 9e Inca, Pachacutec, qui donna à Cusco la forme d'un puma, conçut Sacsayhuaman comme la tête de l'animal. Les 22 murs en zigzag symbolisant les dents. La technique utilisée pour transporter et assembler de telles masses reste un mystère, car il faut se souvenir que cette civilisation ne connaissait pas la roue. Trois tours surplombaient autrefois les remparts, mais il n'en subsiste aujourd'hui que les fondations. Une des dernières batailles de la conquête espagnole se déroula ici, et elle donna lieu à l'héroïque épisode du capitaine Inca Cahuid, passé à la postérité. Alors que les Espagnols assaillaient la tour, où il s'était retranché avec plusieurs guerriers, il préféra sauter dans le vide et alla s'écraser au pied de celle-ci, plutôt que de se rendre.
Il y avait plusieurs langues dans l'Empire Inca. Les plus importantes étaient certes les Quechua, parce qu'il y a plusieurs variétés de Quechua. Maintenant, une des forces des Incas a été de créer une sorte de langue générale, qu'on appelle lengua general, qui servait de communication chez tous ces peuples qui étaient tout de même très, très éloignés les uns des autres. Et c'est la lengua general qui a été conservée parce que c'est elle que les missionnaires ont appris et qui ont ensuite diffusé ailleurs et qui a servi de grande langue de communication pour une grande partie du continent d'Amérique du Sud. Morail, terrasse circulaire, qu'on considère d'un point de vue agronomique en étant une sorte d'observatoire pour montrer, parce qu'on sait qu'il y avait différentes cultures associées à différentes écozones puisqu'elles s'étagent sur plusieurs zones écologiques. Les terrasses de Morail, étagées en un profond amphithéâtre, offrent un spectacle fascinant. Ce site archéologique se compose de différents niveaux de terrasses concentriques taillées dans une vaste cuvette d'argile où chaque palier semble jouir de son propre microclimat selon la profondeur qui peut atteindre 150 mètres. Les différents niveaux sont accessibles par un ingénieux système d'escaliers dont les marches sont intégrées dans les murs et des canaux d'irrigation apportent l'eau d'une terrasse à l'autre par l'intermédiaire de rigoles creusées dans la pierre. Les différences de température et d'humidité entre chaque gradin permettaient de tester les plans en fonction du climat et de l'altitude. Alors, en ce qui concerne les réseaux de communication, les Incas ont développé, enfin, ils ont repris à leur cause tout un réseau de communication qui existait bien sûr avant, et ils l'ont développé. Ils ont poursuivi les routes de Wali, et donc ils ont trouvé le moyen de les entretenir. Ce sont des routes qu'on avait comparées à la chaussée romaine. Les Espagnols qui les ont traversées, qui ont dit qu'elles étaient encore meilleures. Eh bien, ils avaient un système d'information qui était très moderne pour l'époque, qui était le système des chasquis, le système des messagers. Cette route était empruntée par des gens qui couraient à pied. Vous voyez ce que ça veut dire, couraient à pied, des distances relativement courtes, il y avait toujours des relais, et qui pouvaient, en un jour pratiquement, de relais en relais, obtenir des informations des gens de la côte. Alors bien sûr, les Incas, contrairement aux cultures que l'on trouve en Europe, ne connaissaient pas la roue, ne connaissaient pas les animaux non plus. Le seul animal de bas connu dans les Andes, c'est le lama. Et donc tout le transit des matières premières, mais aussi les gens se baladaient avec des caravanes de lamas. Et les Espagnols ont décrit des caravanes de 3000, voire 3500, 4000 animaux. Ça implique que pendant près d'une heure et demie ou deux heures, vous voyez les lamas. Alors ces lamas appartenaient à différentes communautés, mais les différentes communautés donnaient, mettaient à profit leurs animaux pour aider l'Inca à transporter les différents produits. Il faut dire aussi que les nouvelles qui venaient par bateau et qui arrivaient à Panama mettaient parfois un an à arriver au Pérou. Donc on est quand même dans des sociétés où le temps est un peu lent et donc où les peuples font ce qu'ils veulent d'une certaine façon. Vous avez le site de Maras, qui est un site de salines très important, qui sont des terrasses communautaires, établies aujourd'hui en coopérative, où le sel est une rivière, c'est une petite source salée, et qui a été exploitée depuis l'époque pré-Inca, depuis l'intermédiaire ancien, vraisemblablement. Et on s'est aperçu que lorsqu'on fait écouler cette eau salée sur les terrasses, et que suite à l'exposition du soleil, qui est très chaud pendant la journée, on obtient une couche de sel.
Et donc les Incas ont mis à profit cette exploitation pour avoir du sel. Et le sel était un élément fondamental et rituel. On sait par exemple que dans les fêtes, certaines fêtes s'accompagnaient de jeûnes sans sel. D'autres fêtes, il fallait conjuguer le soir avec le sel. On sait qu'il avait avec du sel, par exemple. Donc le rôle du sel était fondamental, parce que les gens mangeaient du sel, était exploité par, sous forme de communauté. Cusco était tout de même dans une région extrêmement florissante. Il y a tout près de Cusco la fameuse vallée sacrée, la vallée de Yucay, qui est un des lieux les plus agréables. Et donc c'est devenu la capitale de l'Empire Inca, progressivement bien sûr, et le lieu d'où partent les quatre grands chemins qui ont leur bifurcation. À travers les quatre grands territoires qui ont formé ce qu'on appelle le Tahuantinsuyu, c'est-à-dire l'empire des quatre moitiés, moitié du nord, moitié du sud, moitié de l'est et moitié de l'ouest. Et qui vit à Cusco ? Bien, vit à Cusco essentiellement les chefs, les membres de l'élite dominante, et tous les peuples conquis ont un représentant, mais ces représentants vivent dans les environs immédiats de la cité de Cusco. Donc on a une sorte de centralisation du pouvoir. Le Cusco d'ailleurs signifie le nombril du monde. Donc ça montre bien l'idée de cette cité comme étant le centre, le cœur de l'Empire. Et un autre élément se rajoute à cette idée de centre, c'est-à-dire que vous avez au centre de Cusco le Temple du Soleil, ce qu'on appelle le Coricancha. Cori, c'est or en quechua. Le Soleil est l'ancêtre des Incas, du moins c'est ce qu'eux, ils affirment. Dans le Temple du Soleil, il y a les momies des Incas, donc de ses enfants. Il y a les autres manifestations astral, et il y a toute une série d'objets que l'on trouve dans les jardins qui sont des répliques en or des animaux et des plantes qui existent. Il ne reste aujourd'hui que le gros œuvre de ce que fut le temple le plus riche de tout l'Empire Inca. À l'époque, les murs de Coricancha étaient recouverts de 700 feuilles d'or, pesant chacune près de 2 kilos. On peut d'ailleurs encore admirer une plaque stellaire en or massif représentant la Terre-Mère et les Incas. Seules 4 salles de l'ancien temple subsistent, dont les murs légèrement inclinés sont faits de blocs de pierre parfaitement ajustés. On suppose que les 2 plus grandes salles étaient les temples de la Lune, de Vénus et des Pléiades, dont les murs étaient recouverts d'argent. Les portes et les niches trapézoïdales sont typiques de l'architecture pachacoutèque des Incas. Les 2 autres salles, plus petites, servaient sans doute à vénérer l'arc-en-ciel et la foudre. On ne pouvait pénétrer dans le temple qu'à jeun, pieds nus et avec une charge sur le dos comme preuve d'humilité. Le temple du soleil était le théâtre des cérémonies importantes des souverains Incas, mariages, sacres, funérailles. Et c'est là que leurs momies étaient conservées, assises sur des trônes en or. Ici, tout était recouvert du précieux métal jaune qui symbolisait le soleil. Et même dans le célèbre jardin intérieur se trouvaient des épis de maïs et des fruits en or. Dans le cas d'Ollantaytambo, on sait que c'était un palais de l'Inca. On sait que c'est un site cérémoniel, puisqu'en haut du temple de l'Inca, vous aviez le temple du soleil qui n'a visiblement jamais été totalement achevé, avec des pierres que l'on ne trouve que là, et avec ces éléments presque de porphyre. Ce n'est pas du porphyre, mais c'est une roche parfaitement polie.
qui a été très difficile de transporter jusque-là, tout un système de terrasses, tout un système de bastions tout autour pour protéger la cité, mais on s'aperçoit que la partie centrale est cérémonielle. Et la partie du bas aussi, puisque dans la partie du bas, vous avez tout un réseau d'irrigation avec des terrasses, là encore, terrasses rituelles, qui sont vraisemblablement là aussi des terrasses pour cultiver du maïs lié aux libations, et pas forcément des plantes. Et vous avez dans la partie du bas, une kayanka. Un kayanka, c'est-à-dire ces édifices, ces grands édifices orientés, avec plusieurs portes-fenêtres très grandes, qui servaient à recevoir l'Inca et ses armées lors des grandes réunions, lors des grandes fêtes. Le textile pour les Andes est un langage à part entière. C'est-à-dire que contrairement aux cultures mésoaméricaines où on a des stèles datées, il n'y a pas d'écriture pour les Andes. Et l'équivalent de l'écriture serait ces textiles. C'est tout un mode de pensée. La façon dont sont agencés les fils de chaîne par rapport aux fils de traîne sur un textile, est une représentation de l'espace. C'est-à-dire que la tisserande, même encore aujourd'hui, lorsqu'elle établit son tissage sur le sol, le conçoit en trois dimensions. On sait aussi que certains textiles ont servi de cartes. Les chroniques mentionnent que, notamment à l'époque de Pachacutec a donné l'un des ambassadeurs dans le Koyasuyu une carte, un textile en forme de carte représentant une partie du territoire. Alors c'est important parce que c'est en quelque sorte l'ancêtre de nos cartes Michelin d'aujourd'hui qui nous permettent de localiser. Tambo Machai, comme son nom l'indique, c'est la route menée de Cusco vers la vallée sacrée, était parsemée d'un certain nombre de sites qui étaient des lieux de vigilature ou des tambos, c'est-à-dire ces lieux de repos qui servaient à l'armée, mais qui servaient aussi de lieux de rencontre, de lieux de repos pour l'armée. Et Tambo Machai, c'est le cas. Non loin de Tambo Machai se situait un temple cérémoniel et un lieu de source, la maison des vierges, choisie. Comme c'est la traduction que l'on donne. Et donc vous avez à cet endroit-là tout un temps d'un réseau d'irrigation extraordinaire avec une fontaine sacrée et puis des monuments qui sont ces monuments qui étaient réservés aux femmes. Donc normalement, si vous y étiez Inca et que vous étiez à cet endroit-là, vous n'aviez pas accès puisque c'est une sorte de monastère réservé aux femmes. L'ordre des Incas, on en parle énormément, on le voit beaucoup moins puisque on sait que la quasi-totalité des richesses d'or a été saisie par les Espagnols et qu'ils ont fondu la presque totalité des objets en or qui étaient soit des œuvres d'art, soit de la vaisselle ou des ornements. Ils les ont fondus parce que pour eux, ça ne représentait aucune valeur esthétique, ça ne représentait aucun pouvoir, donc ça n'avait pas à être respecté. Et ils voulaient tout simplement obtenir des lingots et des pièces d'or. Et il faut aussi savoir que la plupart des orfèvres qui travaillaient pour les Incas n'étaient pas directement des Incas, mais étaient originaires de la côte nord du Pérou, de ce fameux royaume de Chimú,
Et les Incas ont pris les orfèvres Chimú, ils les ont déplacés jusqu'à Cusco pour qu'ils réalisent à Cusco qu'ils continuent à faire l'orfèvrerie, non plus en faveur des rois Chimú, mais en faveur du système Inca. C'est un bastion fortifié, c'est un lieu de contrôle de l'armée. On a encore des éléments du relief qui permet de montrer où étaient les fortins et qui contrôlent l'accès à la vallée sacrée que de l'autre côté à Pissac. Parmi les vestiges retrouvés dans les fouilles de la petite forteresse rouge, ainsi nommée en raison de la couleur rose de ses pierres, de nombreux fragments de céramique rouge, eux aussi, ont été retrouvés. Les avis divergent, laissant place à l'imaginaire. Les momies sont préparées, n'apparaissent pas comme les momies égyptiennes embaumées de cette sorte-là dans des sarcophages. Elles sont plutôt desséchées, elles sont recouvertes des tissus les plus beaux. Et ce sont des momies qui ont leurs biens, elles ont des serviteurs attitrés, des femmes attitrées, donc elles ont toute une cour, si l'on peut dire. Et elles sont vénérées et elles sortent en procession. Chaque clan, chaque responsable de camp sortait, de clan sortait avec sa momie, qui était promenée en grande pompe sur la place de Cusco et tout autour, où on lui rendait hommage. Alors il s'agissait essentiellement des descendants de l'Inca et puis des membres de l'élite. Le peuple n'avait pas accès à cet endroit-là, qui était un endroit sacré. Et elles mangent, on les assoit sur des sortes de trônes. Et on leur montre de la bière de maïs et d'autres mets. Donc elles sont vivantes d'une certaine façon. Et lorsque ces Incas momifiés étaient repus de toute cette énergie qu'on leur avait donnée sous forme d'offrande, on pouvait les remettre, ils pouvaient repartir dans leur demeure où on les conservait comme ça indéfiniment. Il y avait des sacrifices humains dans les autres sociétés andines, les Mochicas par exemple, sacrifiaient des êtres humains, les Chimú également. Les Incas, on a dit que non, et cela est dû surtout à Garcilaso de la Vega qui a voulu les présenter comme des gens extrêmement cultivés et, disons, des gens raisonnables. Cela étant, il y avait des sacrifices, bien sûr, c'est même dit dans les sources du XVIe, qui étaient faits autrement que, par exemple, chez les anciens Mexicains, puisqu'il s'agissait d'offrandes d'enfants, surtout de jeunes gens, à des moments très particuliers, des grands événements, naissance d'un héritier, mariage, des choses diverses, mais d'intérêt général. Donc, on demandait à chaque communauté, de remettre l'enfant le plus beau. En général, c'était les victimes les plus belles. Donc ces enfants étaient traités avec tous les égards et ils étaient sacrifiés aux montagnes. Et c'est là qu'on les a retrouvés au XXe siècle, avec une archéologie différente de celle qui s'était pratiquée. Et donc dans les sommets, dans les glaciers, on a retrouvé des restes de ces enfants qui correspondent à des chroniques qu'on avait du XVIe siècle. À Chinchero, un énorme mur inca décoré de 10 niches trapézoïdales délimite la grande place du marché. Avec son ancien temple et son ancien palais, Chinchero est la ville qui garde l'entrée de la vallée sacrée. Ici, c'est la démonstration de la part de ce sacré dans les constructions inca et même dans celles des terrasses, dont certaines sont toujours en exploitation. Alors dans le cas de Chinchero, c'est aussi un palais, c'est aussi un lieu de villégiature, mais surtout derrière, vous avez tout un ensemble de terrasses cérémonielles à plusieurs niveaux. Et à deux niveaux, vous avez des miniatures de montagnes, qui sont les miniatures des montagnes que l'on voit dans l'horizon, qui sont d'une des caractéristiques des monuments incas rituels. C'est-à-dire que ce sont des petites maquettes
Il semblerait que les Incas jouaient un rôle particulier en montagne et faisaient des libations dans ces maquettes parce qu'ils ne pouvaient pas les faire sur la montagne elle-même. Les Espagnols arrivent au moment d'une guerre civile entre deux frères qui sont les deux Incas, entre la moitié du nord, qui est dirigée par Atahualpa, et la moitié du sud, et notamment la ville de Cusco, qui est sous emprise de Huascar. Ce sont deux demi-frères, mais qui sont en lutte fratricide. Alors juste au moment où les Espagnols arrivent, on sait qu'Atahualpa remporte une grande victoire et fait tuer son frère. Il fait aussi tuer toutes les familles à laquelle il appartenait à Cusco. Donc là, vraiment, il y a plusieurs centaines de morts. Et on sait par exemple que la momie de Pachacutec et Tupac Inca et Upanqui sont brûlées à cette époque-là, alors qu'il s'agissait de membres d'Inca fondateurs de la culture Inca. Et reste en place Atahualpa, qui lui est l'Inca du Nord, et notamment de la ville de Cusco, qu'il avait contribué à fonder. Donc c'est un territoire immense, mais avec énormément de foyers de rébellion que l'Inca, dès qu'il arrive au pouvoir, va essayer de mater. Il arrive un moment où c'est impossible. Il arrive un moment où vous avez un empire qui mesure 3000 km du nord au sud. Il est impossible d'envoyer une armée à 2000 km de là, parce que les populations se déplacent à pied, ça demande plusieurs mois. Et donc, le fait d'envoyer une armée là, il suffit qu'à ce moment-là, il y ait une rébellion dans le sud. On envoie une autre armée, mais à ce moment-là, on n'a pas assez d'hommes. C'est à ce moment-là qu'arrivent Pizarro et ses hommes et qui montent à Cajamarca. Et évidemment, tout cela a favorisé la conquête. Et ce qui l'a favorisé également, c'est que des peuples qui avaient tout de même été assujettis par les Incas, parce qu'on les a beaucoup enjolivés, mais tout de même, c'était un peuple impérialiste et militaire. Donc ces peuples-là, quand ils ont vu les Espagnols, se sont dit c'est l'occasion ou jamais de renverser Atahualpa. Alors les Espagnols arrivent, ils vont très vite comprendre que lorsque on a affaire à ces structures pyramidales avec un individu souverain principal, si on supprime cet individu principal, on décapite ce grand corps qui ne fonctionne plus. Et c'est exactement ce que fera Pissar. Il fait quelques explorations qui dure quelques années. Et puis en 1532, il arrive sur la côte péruvienne au nord du Pérou. Il prend assez vite le chemin de la Sierra pour aller à Cajamarca, où il rencontre l'Inca et ses troupes. Atahualpa, capturé, va comprendre que les Espagnols veulent de l'or. Donc il leur promet de remplir la pièce où il se trouve d'or pour racheter sa liberté. Et ça, c'est un système qui est très classique en Europe, le paiement d'une rançon. Atahualpa propose cela. Et puis Pissar se rend aussi très bien compte d'une chose, c'est que s'il laisse repartir Atahualpa, Atahualpa va redonner toute vie au pouvoir qu'il avait. Et là, les Espagnols vont se retrouver dans une infériorité terrible et qu'il ne pourra pas recommencer deux fois son coup. Et donc à ce moment-là, Pissar va le faire juger, profitant du fait que l'empereur Inca a maltraité la Bible en la jetant par terre, en profitant aussi du fait qu'il avait fait assassiner Huascar, son demi-frère, et donc il le fait juger comme fratricide, ce qui entraînera la mort de l'Inca exécuté pour avoir fait des choses qui étaient tout à fait normales dans son système de pensée, mais évidemment pas dans le système espagnol. Et à partir de ce moment-là, les Espagnols vont essayer pendant plusieurs décennies d'avoir des Incas fantoches, successeurs
de cet empereur qu'ils ont dépossédé du pouvoir et exécuté, de manière à les manipuler pour faciliter leur conquête de l'Empire. Et ça marche très bien. Alors, les frères Pissarro, il y en a plusieurs. Il y a celui qui va aller à Pachacamac, qui est le seul légitime, qui s'appelle Hernando. Il y a un autre bâtard qui s'appelle Gonzalo, qui va être très important parce qu'il va se soulever contre la couronne espagnole. Il y en a encore un autre qui s'appelle Pissarro el Bueno, disent les chroniqueurs, qui est tué à Sacsayhuaman. Et enfin, il y en a un dernier qui s'appelle Martin de Alcántara, qui est le demi-frère de Francisco par sa mère. Et donc, il y a des cousins, il y a tous ces systèmes de parenté qui sont très complexes. Diego de Almagro, qui est celui qui apparaît aussi dans la conquête du Pérou, est un personnage différent. Il est assez seul et il est rattaché un peu à ce clan dans un premier temps. Et ensuite, il va avoir ses propres alliés. Pour comprendre qui était Pissarro ou Almagro, ces conquistadores qui ont mauvaise réputation, puisque, évidemment, ils ont eu des comportements que nous n'approuvons pas aujourd'hui, il faut se mettre un tout petit peu dans l'optique européenne, où le pillage était quand même la règle générale. Et donc, ils ont pillé plus parce qu'il y avait plus à piller, mais ils n'étaient pas plus pilleurs que d'autres. On est dans une sorte de clientélisme de la fin du Moyen-Âge qui se manifeste par le fait que le leader, par exemple, doit nourrir toute cette soldatesque et que plus on a pillé, plus on est riche, plus on a des gens. Et plus il faut se montrer généreux, etc. Donc vous voyez, les critères sont pas tout à fait les nôtres. Il y a eu toutes ces guerres civiles entre eux, pour des raisons d'ambition, de butin, de préséance, etc. Et parce que la couronne a mis le holà, elle a fait venir un vice-roi d'abord qui a été exécuté, et puis des fonctionnaires, des gens qui ont dit arrêtez ce massacre, qui ont puni ces conquistadores. Donc ils sont très mal terminés, et ce sont eux, au fond, ça paraît un peu curieux de dire ça, mais dans cette espèce de brutalité militaire, qui ont été les premiers faiseurs de métissage, parce qu'ils avaient tous des enfants métis. C'est difficile de refaire l'histoire, on ne va pas s'amuser à cela. Mais si Pissarro était arrivé bien avant, sous Huayna Capac, peut-être que les choses en auraient été autres, parce que le système était beaucoup plus rodé. Ou est-ce que, à l'image de ce qui s'est passé chez les Romains, par exemple, la civilisation Inca se serait effondrée et on aurait assisté à d'autres petites civilisations qui ont émergé de ci, de là à travers l'Amérique du Sud. C'est possible, parce que c'est ce qu'on observe tout au long de l'histoire andine.